to be praised. Yes, Lord, you are worthy. Oui, Seigneur, tu es digne. Yes, Lord, you are worthy. Oui, Seigneur, tu es digne. Lord God, all that we do unto you. Et tu, Seigneur, tout ce que nous faisons pour toi. It's because you are worthy. C'est parce que tu es digne. And Lord God, you are worthy of receiving all the best. Tu es digne de recevoir l'excellence de nous. Of all we have. De tout ce que nous avons. So Lord God, we dedicate our lives unto you. Alors Seigneur, nous dédions nos vies à toi. We dedicate our spirit unto you. Nous dédions nos esprits à toi. We dedicate our mind unto you. Nous dédions nos pensées à toi. We dedicate our soul unto you. Et nous dédions nos âmes à toi. And we asking you, Lord. Et nous te demandons, Seigneur. Stretch out your hand. Étends ta main. And touch our lips. Et touche nos lèvres. Touch our heart. Touche nos cœurs. Touch our lives. Touche nos vies. And transform something. Et transforme quelque chose. Reverse something. Renverse quelque chose. And bring something to pass today. Et amène quelque chose à existence dans nos vies. Break every limitation. Brise toute limitation. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. For we see as you see. Parce que nous voyons comme tu vois. And we speak as you speak. Et nous déclarons ce que nous avons entendu. Whatever we hear from you. Tout ce que nous entendons de toi. That is what we say. C'est ce que nous disons. So we command. Alors nous commandons to every contrary spirit, à tout esprit contraire. We command. Nous commandons to every contrary atmosphere, à tout atmosphère contraire, to leave, de quitter, in the name of Jesus, au nom de Jésus, we break, nous brisons, all the chains, toutes les chaînes, of limitation, de la limitation, every boxes, toutes les boîtes, of limitation, de limitation, in the name of Jesus Christ, au nom de Jésus Christ, we destroy, nous détruisons, every shackles, toutes les liens. And every high places. Et tous les hauts lieux. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tell to the devil enough. Dis au diable, ça suffit. Is enough. Ça, il suffit. Alléluia. Ça suffit. Tell to the devil enough is enough. Dis au diable, ça suffit. Alléluia. Amen. Because you know sometimes the enemy will come. Parce que vous voyez, par moment l'ennemi peut venir. In all type of form. Dans toutes les formes. Hallelujah. Amen. When you pray, quand tu pries, he is there. Il est là. When you fast, quand tu jeûnes, he is there. Il est là. Hallelujah. Amen. And he comes on all type of form. Et il vient sous toute forme. But the Bible says, mais la Bible dit, we are not ignorant. Nous ne sommes pas ignorants of the devices, des manipulations of Satan. De Satan. Hallelujah. Amen. And because we are not ignorant, et parce que nous ne sommes pas ignorants, we have to break down. Nous devons briser everything that the enemy brings against us. Toute chose que l'ennemi vient apporte contre nous. Alléluia. Amen. The scripture said that my people. L'écriture dit que mon peuple. The Bible didn't say the pagan. La Bible n'a pas dit les païens. The Bible didn't say the unbelievers. La Bible n'a pas dit les non croyants. My people. Mais mon peuple. My people. Mon peuple. Is destroyed. Est détruit. By lack. Par manque. Of knowledge. De connaissance. God never said the pagan. Dieu n'a jamais dit les païens. He said the one. Il a dit ceux that he calls his people. Qu'il appelle son peuple. He destroyed. Ils sont détruits. By lack of knowledge. Ils périssent par manque but de connaissance. Today, mais dites aujourd'hui, I refuse. Je refuse to be without knowledge. D'être sans connaissance. Today, aujourd'hui, I refuse. Je refuse to be without knowledge. D'être sans connaissance. I open my heart. J'ouvre mon cœur. I open my spirit. Et j'ouvre mon esprit. I open my eyes. Et j'ouvre mes yeux. And I receive. Et je reçois all that is mine. Tout ce qui est mien. From the kingdom of God. Du royaume des cieux. I receive. Je reçois every measure. Toute mesure. Of faith. De foi, to be able, pour être capable, to be effective, d'être effectif, in the kingdom of God, dans le royaume de Dieu. I believe, je crois, so I do, alors je fais. I hear, j'entends, so I speak, alors je déclare. I hold, je retiens, so I received, alors je reçois, in the name of Jesus Christ, au nom de Jésus Christ. Amen. Amen.
Hallelujah. Amen. You know, sometimes somebody was saying yesterday. Vous voyez, par moment, quelqu'un disait hier that when you go in some countries, que quand vous allez dans certains pays, what you have is like countries like Chile or countries like Puerto Rico and so forth. Des pays comme le Chili ou bien le Puerto Rico. Even Portugal, like in Europe and all of that. Ou encore le Portugal qui est en Europe et autres. He said that they used to be Catholics. Il a dit qu'ils étaient catholiques. Those countries. Ces pays étaient auparavant catholiques. And then, as the years went by, et comme les années passaient, evangelical now raised. Les évangéliques se sont élevés. Now, Catholic church start now closing. Et les églises catholiques ont commencé à fermer. He said the reason why. Il dit la raison pour laquelle. Is because in the Catholic church. C'est parce que dans l'église catholique. They have not yet had the manifestation of the Holy Spirit. Ils n'ont pas encore eu la manifestation du Saint-Esprit. So because they did not have at that time the manifestation of the Holy Spirit. Et parce qu'ils n'avaient pas à cette époque-là la manifestation du Saint-Esprit. People would go to the mass. Les gens vont aller à la messe. And they were sleeping. Et ils dormaient. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? So they were sleeping. Alors ils dormaient. So the priest will be oh Lord, oh Lord. Et le prêtre sera en train de dire oh. Are you following? Santo. So as he was as he was saying that, et comme il le disait, I realized that it was truthful. Et j'ai réalisé que c'était vrai. Because let us put in the context. Et mettons cela dans un contexte. Even Jesus. Et même Jésus. He never went out. Il n'est jamais allé au dehors. To speak like, oh, oh, oh. Parlant en chantonnant. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? There are times. Il y a des moments. When you need the silence. Où vous avez besoin de silence. When you need the lower tone. Où vous avez besoin d'un ton assez bas. But there are times. Mais il y a des moments aussi. It is louder. Où c'est plus fort. How do we know that it is louder? Comment savons-nous que c'est plus fort? When Jesus has to preach to 5,000 people. Alors quand Jésus devait prêcher à 5,000 personnes. How do you think he was talking? Comment pensez-vous qu'il parlait? Alléluia. Amen. You got 5,000 people. Tu as 5,000 personnes. He goes up to the mountain. Il allait sur une colline. So that the voice can lower down and go down. Afin que la voix puisse porter assez loin en bas. He was not talking with a low voice. Il ne parlait pas avec une petite voix. Alléluia. Amen. And that was in the gathering. Et ça c'était dans l'assemblée. Of the church. De l'église. Alléluia. Amen. Because whatever comes in your ear, parce que ce qui arrive dans tes oreilles, resonate in your mind, résonne dans ton dans tes pensées. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? When it comes in your ear, ce qui arrive à tes oreilles, there is no fire with that, et il n'y a pas de feu avec cela, you might, tu pourrais, be sleepy. Tu pourrais t'endormir. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? So you can see us preaching. Alors tu peux nous voir prêcher. With the fire. Avec le feu. It does not mean. Cela ne veut pas dire. We don't know how to preach calmly. Que nous ne savons pas prêcher de manière posée. Alléluia. Amen. It's as the Lord leads. C'est comme le Seigneur dirige. Alléluia. Amen. But mostly. Mais la plupart du temps, you will see the fire of God. Vous verrez le feu de Dieu. Alléluia. Amen. So today I was about to speak about the book of 1 John chapter 2. Alors aujourd'hui, j'étais en train de vouloir parler du livre de 1 Jean chapitre 2. But we're going to go somewhere else. Mais nous allons aller quelque part ailleurs. The fire. Nous allons aller parler à propos du feu. The fire. Le feu. He said, when the one that comes after me. Il dit quand celui qui vient après moi comes, arrive, vient. He will baptize you. Il va vous baptiser. With what? Holy Ghost. Avec quoi? Le Saint-Esprit. And fire. Et le feu. Hallelujah. Amen. You may have the Holy Ghost. Tu pourrais avoir le Saint-Esprit. But if you don't have the fire, mais si tu n'as pas le feu, then there is nothing which is activated in your life yet. Alors il n'y a pas quelque chose qui est activé dans ta vie encore. It is the fire in you. C'est le feu en toi. That causes the Holy Ghost in you. Qui a fait en sorte que le Saint-Esprit en toi to shake something around you. Va faire bouger les choses autour it de toi. It is the fire in you. C'est le feu en toi. That causes the Holy Ghost in you. Qui fait que le Saint-Esprit en toi to cause the earth to tremble.
qui fait que la terre tremble en ta présence. For this reason, pour cette raison, Jesus in the book of Revelation said, dans le livre Jésus dans le livre de d'Apocalypse, I want your heart all cold. Il dit je préférerais que tu sois chaud, bouillant ou froid. Alléluia. I better want you hot. Je préférerais que tu sois chaud or cold. Ou froid. Alléluia. Amen. And the reason why he wants you hot. Et la raison pour laquelle il te veut bouillant. It's not because you don't have the Holy Spirit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. But it's because you lack the fire. Mais c'est parce que tu manques le feu. So he wants you hot. Alors il te veut bouillant. So that you can continue. Afin que tu puisses continuer. To release the fire. À relâcher le feu. Let's go in the book of Acts. Allons dans le livre des Actes. In chapter 1. Au chapitre 1. Tell to somebody fire. Dis à quelqu'un le feu. Say by fire. Dis par le feu. Or by force. Ou par la force. I will get in. J'entrerai. But I want by fire. Mais moi je veux par le feu. Hallelujah. Amen. In the scripture it says what? Acts chapter 1, we will read from verse 5. Acte des apôtres chapitre 1 à partir du verset 5. Que dit-il? Even verse 4. Et même à partir du verset 4. He says, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, you have heard of me. Verset 4. Or un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. For John truly baptized with water, but you shall baptize with the Holy Ghost not many days hence. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Hallelujah. Amen. He did not say, il n'a pas dit, that you will not be baptized with fire. Il n'a pas dit que vous ne serez pas baptisé par le feu. Because he was making an alliance. Parce qu'il faisait une alliance. With what John has spoken already in the book of Matthew. Avec ce que veut simplement dire que les activités qui t'amenaient dans ta vie de tous les jours à te rapprocher de Dieu ne sont plus ce que Dieu voulait que ce soit. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? And I am sure. Et je suis sûr. That when Jesus speaks of the Ephesians. Que quand Jésus parle des Éphésiens, in the book of Revelation chapter 2, et dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, that first love, que ce premier amour, is the fire. Je pense que c'est le feu. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? That fire that kept that love hot. Ce feu qui garde cet amour chaud. So that we not be cold. Afin qu'il ne soit pas froid. But interesting, not even lukewarm. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne veut même pas la tiédeur. Are you following me? The lukewarm Christian, parce que le chrétien qui est tiède, knows more than the one who is cold. Connaît plus que celui qui est froid. Mm-hmm. He prays more than the one who is cold. Il prie plus que celui qui est froid. He moves more than the one who is cold. Il bouge plus que celui qui est froid. Hallelujah. Amen. But Jesus says, mais Jésus dit, that the lack of fire inside, mais le manque de feu à l'intérieur, to keep the hotness, afin que la chaleur puisse être gardée, brings indigestion in the belly of Christ. Fait que Christ ait une indigestion. Are you following me? Amen. Let me give you this picture. Laissez-moi vous donner cette image. Your spirit needs to be hot. Ton esprit a besoin d'être bouillant. Because when he enters into the realm of God, parce que quand il entre dans le monde de Dieu, he will see the light of God facing him. Il va voir la lumière de Dieu en face de lui. And because the light of God is pure, et parce que la lumière de Dieu est pure, if your spirit does not stand or communicate in that same level, si ton esprit ne communique pas à ce même niveau, the fire of God or the light of God that will crush you down. Là, le feu de Dieu ou la lumière de Dieu va t'écraser. So anything which is lower than the fire of God, alors tout ce qui est moins que le feu de Dieu, is overthrown. Est renversé. Take a match. Prends une allumette. Fire it up. Et allume-la.
Take another match with fire. Prends une autre allumette avec le feu. Put them together. Et mets-les ensemble. That we do what? That we kindle together. Ils vont, que vont-ils faire? Ils vont se réchauffer ensemble. That we even increase the fire. Ils vont même accroître, augmenter le feu. Fire and fire goes together. Le feu et le feu vont ensemble. But text a fire, a matched fire, a matched a candle match. Alors, mais prends une allumette. One in fire. Une en feu. And the other one that has finished its fire. Et une autre qui a fini son feu. Alléluia. If the other one is wet, si l'autre est mouillé, he might take a long time for the one in fire to get the other one back in fire. Cela prendra beaucoup de temps pour que celle qui est en feu puisse rallumer celle qui est éteinte. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? So my point is that you need fire. Alors mon point c'est que tu as besoin du feu. Because the Lord is always on fire. Parce que le Seigneur est tout le temps en feu. Alléluia. Amen. It is the fire of the Lord inside of you. C'est le feu de Dieu en toi. That gives you the desire to fast. Qui te donne l'envie de jeûner. To consult the scriptures. Qui te donne l'envie de lire les écritures. De consulter les écritures. To pray in spirit and in truth. De prier en esprit et en vérité. To speak in tongues at all times. De parler en langue à tout moment. To know his will, understand his perfect will. Et de connaître sa volonté et de comprendre sa parfaite volonté. And to carry the boldness inside of you. Et de marcher avec courage à l'intérieur de toi. It is the fire of the Lord. C'est le feu de Dieu. That makes you love the word of God anytime you hear it. Qui te fait aimer la parole de Dieu chaque fois que tu l'entends. Do you know how you can check whether your fire is down or not? Est-ce que tu peux savoir si tu comment vérifier si ton feu est allumé ou pas? See the amount of love or rushing wind inside of you whenever you hear the word of God. Regarde, essaie d'évaluer la quantité de coups de vent violents qui te secouent chaque fois que tu entends la parole de Dieu. You see, when you have loved somebody the first time, tu vois, quand tu as aimé quelqu'un la première fois, and the person sends you a letter, et cette personne t'envoie une lettre, alléluia, amen. When you read that letter, quand tu lis cette lettre, you smile until here. Tu souris jusqu'au-dessus de ta tête. Alléluia. Amen. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? If you read the same letter, si tu lis la même lettre, and you don't keep the same fire, et tu ne gardes pas le même feu, you will no longer see the spirit of the letter. Tu ne verras plus l'esprit de la lettre. You will only see the letter of the words. Tu vas seulement voir la lettre des paroles. And your smile will decrease. Et ton sourire va diminuer. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? So the reason why you need the fire in your life. Alors la raison pour laquelle tu as besoin du feu dans ta vie. Is because without that fire of God. C'est parce que sans ce feu de Dieu. You will compromise. Tu vas te compromettre. You will compromise on many things in your life. Tu vas te compromettre sur beaucoup de choses dans ta vie. Without the fire of God, sans the vision that Dieu, he gives you. La vision qu'il te donne. Perish. Va périr. Non, tarries. Va tarir. Are you following me? Without the fire of God, sans le feu de Dieu, you will be questioning about the vision he has given you. Tu seras en train de questionner la vision qu'il t'a donnée. Hallelujah. Amen. Again, the fire has to keep you hot. Alors encore une fois, le feu doit te garder bouillant. Hallelujah. Amen. Let's go and wrap up back in Acts chapter 2. Et nous allons maintenant conclure encore dans Actes chapitre 2. Alléluia. Amen. Verse 2 says, chapter 2, verse 2 says, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Au verset 2, Actes 2, verset 2, tout à coup, un grand bruit vint sur le ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. You see, when you read that verse, you can see something inside as a pattern. Vous voyez, quand vous lisez ce verset, vous pouvez voir à l'intérieur comme une suite. The subject in verse 1 and verse 2.
les Écritures disent au verset 1 et au verset 2 that they were first in one accord, que premièrement ils étaient rassemblés ensemble en accord in one place, en un endroit. You see, the key here is that you have to be in a certain place. Vous voyez, la clé ici, c'est que vous devez être à un endroit précis. In that accord of the Lord, dans cet accord du Seigneur, when the time has come, quand le temps est arrivé. But because you don't know the time of the Lord, mais parce que tu ne connais pas le temps du Seigneur, you have to be on time all time. Alors tu dois être prêt à tout moment. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? Because the Bible says when they were in one accord. Alors la Bible dit quand ils étaient en un accord. In one place. En un lieu. They did not know that the time was coming. Ils n'ont pas su que le temps était arrivé. They only knew that the time was about to come. Ils savaient simplement que le temps était près d'arriver. But they did not know when exactly. Mais ils ne savaient pas quand exactement. He only told them wait. Il leur a seulement dit d'attendre. So be on time. Et il leur a dit soyez à l'heure. At all time. Et prêt à tout moment. And keep yourself in array. Et gardez-vous prêt. How do you know that? Et comment savez-vous cela? Because verse 2 says suddenly. Parce que le verset 2 dit soudainement. Alléluia. Amen. When God is about to speak to you, alors quand Dieu veut te parler, it's not even when you pray. Ce n'est même pas souvent quand tu pries. He comes suddenly. Il peut soudainement. Because you're on time. Parce que tu es à l'heure. At all time. À tout moment et prêt à you tout moment. You point yourself at the meeting with the Lord. Tu te présentes au lieu de rencontre avec le Seigneur. Samuel. He was in a one place. Il était en un endroit. Not in the house of his mother. Pas dans la maison de sa mère. But in the temple of God. Mais dans le temple de Dieu. In the presence of God. Dans la présence de Dieu. He could have been in the mother's house. Il aurait pu être à la maison de sa maman. In his father's house. Ou alors dans la maison de son père. He would have missed the sound. Il aurait manqué le bruit. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? He was in the matter of place. Il était vraiment au lieu où il devait être. At the right place. Au bon endroit. The Bible said that when they tried to have Jesus, la Bible dit que quand ils ont essayé d'attraper Jésus, he passed through them. Qu'il est passé au milieu d'eux. And he escaped because it was not yet his hour. Il est passé au milieu d'eux et il s'est échappé parce que ce n'était pas encore son heure. Because even God, parce que même Dieu, said that he has appointed what a time. Que Dieu dit qu'il a choisi un temps. He has appointed a time of meeting. Il a choisi un temps de rencontre. The Bible says, la Bible dit, that Paul, God spoke to Moses, que Dieu a parlé à Moïse, and tell them to come at a certain time at the meeting, at the tabernacle of the meeting. Et il a dit à Moïse, dit au peuple de venir à un temps précis au tabernacle de la rencontre. Alléluia. Amen. So you have to be in the place where God is waiting for you. Alors tu dois être à l'endroit où Dieu t'attend. Because he wants to release a sound. Parce qu'il veut relâcher un son. But you cannot be in that place. Mais tu ne peux pas être à cet endroit. If you don't keep the fire in. Si tu ne gardes pas le feu brûlant en toi. To wake you up. Pour te réveiller. To keep you up. Pour te garder éveillé. And then to push you up. Et pour te pousser. You need the fire of God. Tu as besoin du feu de Dieu. To continually propel you. Afin d'être continuellement propulsé. To seek and do the perfect will of God. Pour rechercher et faire la volonté parfaite de Dieu. You can be in the permissive. Tu peux être dans la volonté permissive. You can even be in the good will of God. Tu peux être dans la bonne volonté de Dieu. You can even be in the acceptable will of God. Tu peux être dans la volonté acceptable de He Dieu. Will not meet you there. Mais il ne va pas te rencontrer to là-bas. Release the sound that you need. Pour relâcher le son dont tu as besoin. God wants you to increase from the good to the acceptable to enter the perfect will. Dieu veut que tu puisses partir du bon, de sa bonne volonté, pour sa volonté acceptable, et afin que tu puisses arriver jusqu'à la volonté parfaite. God, you see, this is too much. The Bible says that he is seeking what? The true worshipper. La Bible dit qu'il recherche quoi? Des vrais adorateurs. But if you go in the book of Psalms, mais si tu vas dans le livre des psaumes,
The scripture speaks about things that were acceptable unto the Lord. La Bible parle des choses qui étaient acceptables au Seigneur. The praise, the worship, the sacrifices. Ouais, les louanges, les leur adoration, les sacrifices. They were in the good will of God. Ils étaient dans la bonne volonté de Dieu. But God was yet seeking for the perfect one. Mais Dieu recherchait les parfaits. That's why he says in the book of Matthew. C'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Matthieu. Be perfect. Soyez parfaits. Like your Father in heaven is. Comme votre Père dans les cieux est parfait. Alléluia. God is good. Dieu est bon. But he didn't say be good. Mais il n'a pas dit soyez bon. He said be perfect. Il a dit soyez parfait. So that perfection only comes by fire. Alors cette perfection ne peut venir que par le feu. Because it is the fire of God in your life. Parce que c'est le feu de Dieu dans ta vie. That will bring unto a burning. Qui va brûler. Everything that is not of him. Qui n'est, tout ce qui n'est pas de lui. And that will bring the shining part. Et qui va apporter la partie brillante. Of what comes from him. De ce qui vient de lui. You see, there is a wise man who said one time. Vous voyez, il y a un homme sage qui a dit quelque chose une fois. He said, "My son, if you want to serve the Lord." Il m'a dit, mon fils, si tu veux servir le Seigneur. Prepare your heart to trial. Prépare ton cœur aux épreuves. For the same way that gold is tried through the furnace. Parce que de la même manière que Dieu est éprouvé par un gold. Que de la même manière que l'or est éprouvé. Par le feu. In the same way you will be tried through the furnace. C'est également de la même manière que tu seras éprouvé à travers le feu. And Paul said. Et Paul a dit. That even your works will be also tried by fire. Paul a également dit que même tes œuvres seront éprouvées par le feu. Hallelujah. Amen. If it's not consistent, si ce n'est pas consistant, if your works are not of fire themselves, si tes œuvres ne sont pas des œuvres bouillantes elles-mêmes, they will burn against the fire of the Lord. Elles vont brûler contre en présence and du feu de Dieu. And Paul said that you will suffer great loss. Et Paul dit que tu vas souffrir une grande perte. So when God says, mais alors quand Dieu dit that you need to be on fire, que tu as besoin d'être en feu, it's because he knows that the coldness of time has already come. C'est parce qu'il sait que la froideur du temps est déjà arrivée. He knows that the world is cold. Il sait que le monde est froid. So from the moment you have your head out, alors du moment où tu as ta tête dehors, and your feet in the house of God, et ton pied dans la maison de Dieu, the middle of your body becomes lukewarm. Le milieu de ton corps devient tiède. So you have a part of you that knows everything you have to do with the will of God. Alors tu as une partie de toi qui sait toutes choses que tu dois faire dans la volonté de Dieu. But the other side is always giving an excuse. Mais l'autre côté est tout le temps en train de donner une excuse. Oh, an excuse. Tout le temps une excuse. That's the lukewarm. Ça c'est le tiède. You know. Tu connais. You tu understand. Sais. Tu comprends. But you have always an excuse. Mais tu as tout le temps une excuse. But if you let the